Bonsoir, merci d'être là ce soir avec nous, à nous suivre devant votre petit écran. C'est le rendez-vous des initiés, c'est le rendez-vous de la connaissance sur votre chaîne Golf Télévision. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons vous emmener sur d'autres horizons. Nous allons parler aujourd'hui de la numérologie, numérologie en tant que langage. Avec notre invité, nous allons découvrir que tout est langage dans la vie, à travers nos gestes, notre existence, notre morphologie. Le langage aussi, c'est à travers les animaux. Ils ont le langage, comment les découvrir. Et tous ces langages, tout ce qui se passe avec ces animaux, c'est bien un langage très ancien que nous allons en tout cas découvrir avec notre invité qui nous vient de très loin, mesdames et messieurs. Merci pour votre compagnie, votre fidélité. C'est bien de cela qu'il s'agit sur Au-delà du réel. Elmancio Godson, bonsoir. Bonsoir Théodore Moussa, bonsoir à nos téléspirituels sur l'émission Au-delà du réel. C'est toujours un plaisir de les retrouver tous les vendredis à partir donc de 21h au haut et de partager avec eux des connaissances spirituelles. Effectivement, aujourd'hui, le thème est si bien annoncé que nous allons entrer donc dans les nombres et nous allons comprendre, disons, l'ésotérisme des nombres, ce que nous pouvons comprendre du langage des nombres, quels sont certainement ce que les gens savaient déjà dans le passé et ce que notre illustre invité va nous apprendre aujourd'hui. C'est tout un ensemble de connaissances pour vous permettre à vous qui nous suivez en ce moment d'améliorer votre compréhension de la nature, de l'univers, votre compréhension de Dieu, de vous-même. Je pense que c'est un moment important où nous sommes en échange. Très bien. Ce que nous apportons, ce sont des propositions, ce sont des connaissances qui ne sont pas imposées. Nous nous disons tous les jours que l'émission Au-delà du réel n'impose rien, mais propose. Et c'est à chacun donc d'en faire bon usage. Merci, voilà. Elmancio Godson. Merci, je vous le disais tantôt, donc notre invité, il nous vient de l'Ouest. Bonsoir, maître. Bonsoir. Maître Cheikh Amadou Tall, guide religieux, islamologue. Bonsoir, merci de répondre à notre invitation. Nous vous recevons pour la toute première fois sur cette émission. Merci. Présentez-vous, qui êtes-vous, d'où venez-vous, parlez-nous un peu de vous-même. C'est souvent difficile de parler de soi-même, mais pour nos téléspectateurs, Maître Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et que Dieu répande perdurablement ses bienfaits, sanctissime sur le sceau de la prophétie, la gnose de sa messagerie, notre sauveur Mohammed, sur ses compagnons, sa famille bénie et sur eux le salut. Vous m'avez déjà présenté, vous avez dit, cher Tall, le guide, etc. En fait, ce sont des dénominations un peu pour moi osées, que je ne m'attribue pas du tout, puisque la connaissance est du domaine divin. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, il n'a octroyé à la créature qu'une toute petite parcelle de connaissance. La connaissance, c'est quoi? En latin, on dit la sapienza. La sapienza peut avoir plusieurs connotations. La gnose, qui est la connaissance de soi, pour soi, par toi, en Dieu. Et la connaissance elle-même, en tant que fonction directionnelle de l'intelligence qui aboutit par une suite interrompue de recherche à des résultats, peut-on dire, qui s'imposent et s'apposent dans la dialectique. Donc aujourd'hui, toute vérité que nous découvrons aujourd'hui peut demain être une erreur fondamentale. C'est la raison pour laquelle je rends hommage au peuple béninois et je rends spécialement hommage au PDG du groupe de presse Golf, cher Ismaïla Soumano, et à tous ses collaborateurs de golf en général, à vous qui réalisez l'émission en présence de votre ami. Et je rends hommage vraiment à tous ceux qui nous écoutent et qui ont soif de savoir. Je leur dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et je leur dis en définitive que je ne suis pas ici. Je ne me présente pas comme un connaisseur ou comme un connaissant. Le connaisseur, c'est celui qui dit « je sais tout ». Le connaissant, c'est celui qui dit « je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien ». C'est ce que disait Socrate, « n'y a d'ici autour ». Donc je pense qu'on peut commencer par là. Et je vous prie de m'épargner les titres trop... Rofa.
Oui, même pas ronflant, mais vous savez, il y a des titres qui atrophient et qui tuent. Si vous voulez, Jésus disait, ceux qui baissent la tête seront relevés. Et ceux qui lèvent la tête seront rabaissés. C'est cela. Et le prophète dit, agissez en toute modestie. D'accord. Et je prie Dieu et le prophète de nous assister tous ici. Nous ne sommes pas là pour faire une occupation intellectualiste ou intellectuelle. Nous sommes là tout simplement pour chercher, pour découvrir. D'accord. Et je rends hommage à Mme Toukourou, qui m'a invité ici dans ce pays, à l'instar de Belkis et de son mari, Machifa, et de mon fils également, comment on appelle. Vous venez directement du Sénégal? Directement du Sénégal, oui, on peut. Je viens du Sénégal, effectivement. Je suis originaire de Saint-Louis, du Sénégal, et je vis à Dakar, précisément. D'accord. Alors, Maître Amadou Tall, avec vous, nous allons parler de la numérologie. Numérologie en tant que langage. Alors, numérologie, comment est-ce qu'on peut comprendre cette science? Comment on peut comprendre cette science? Vous en faites aujourd'hui une science. La numérologie a toujours existé. Ce sont les académiciens qui lui ont donné cette fonction, nombre et logos, la science de nombre. Mais il faut dire que le premier être créé par Dieu s'appelle Adam. Adam, en langue hébraïque, signifie la vie. La première chose qu'Adam fit, d'après les recherches, c'est de compter. Un, deux, en faisant des traits comme ça, non pas dans l'imaginaire, mais sur des éléments substantiels. Et c'est là qu'est venue, dirait-on, la science ou la révélation de la manifestation des entités existentielles par les pieds de ce que nous appelons nombre. Dieu dit dans son Coran, toute chose a été dénombrée. Et le premier calculateur, c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas un ingénieur. Mais lorsqu'on dit que Dieu est un calculateur, tout dans l'existence est nombre. Pythagore disait, ce grand philosophe qui a fait ses études en Égypte, il disait que le nombre gouverne le monde. Et l'islam nous disons que chaque chose est estimée selon son nombre. Et ne confondez pas le nombre et le chiffre. Le chiffre, c'est le domaine exotérique. Le nombre du domaine ésotérique. Lorsqu'on dit le chiffre, on dit, tiens, vous êtes né à quelle date? Ben, je suis né le 29 mars 1943. Ça, dans le domaine, tout simplement, n'est-ce pas, de l'ésotérique. Mais lorsque l'on s'invite spirituellement à prospecter le dedans de soi et le profondisse des éléments créés par Dieu, on est obligé de se référer au nombre. Liturgiquement, le nombre, en fait, gère tous les canons, en fait, pour introduire les liturgiques des religions. Allez-y en Inde, dans le christianisme, allez-y partout, les nombres gouvernent le monde et les nombres, en fait, ont toujours été, n'est-ce pas, à la base de ce que nous appelons la connaissance vraie. C'est du moins mon avis. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Maintenant, vous me demandez de vous démontrer que les nombres gouvernent le monde, par exemple, que. Et je vous ai toujours dit, mais le langage que nous faisons, le langage, c'est le système de communication. Dieu dit dans le Saint-Coran, Allah Moul Bayan. Et Dieu a créé ce qu'on appelle le système du langage, de la communication. Il y a plusieurs manières de communiquer avec quelqu'un. Oui. Nous avons cinq sens. Nous pouvons communiquer par les yeux, nous pouvons communiquer par les cinq sens, et nous pouvons communiquer par le cœur. L'œil du cœur, qu'on appelle en islam le basira, c'est le sixième œil d'élément, de l'âme tibétain, que nous trouvons dans le brahmanisme et dans l'hindouisme, comme Atman, etc. Mais, effectivement, tout est nombre, mais tout est langage. Et tout langage est vibration. C'est dans la vibration que l'on comprend pourquoi les choses se développent selon les épanchements virtuels et réels. Je vous donne un simple exemple. Le hasard n'existe pas. Vous savez pertinemment que le mot hasard a été fondé par des académiciens, parce que lorsque les Français ont occupé l'Algérie, ou plutôt l'Égypte, ils ont trouvé à Al-Azhar, c'est une université où sont enseignées toutes les disciplines théologiques de l'islam. Alors, les Français qui sont venus ont découvert que les habitants d'Al-Azhar, qui signifie
l'apparaître ou la parution ou la révélation, n'est-ce pas, correspondant au nom Zahir dans le Saint-Coran. Alors, ils ont trouvé que les gens jouaient au jeu de hasard, d'Al-Azhar, et ils ont appelé les jeux de hasard. Mais le hasard, c'est le terme même, dans la sémantique gréco-romaine, on ne trouve pas ce terme. Vous savez. Alors, on l'appelle les jeux d'Al-Azhar, qui est devenu le jeu de hasard. Mais le hasard n'existe pas. Pas que Dieu dit dans l'Ancien Coran. Même la feuille d'arbre qui tombe est notée. Même la feuille d'arbre qui tombe obéit à une programmation déterminée. Le hasard n'existe pas du tout. Même la feuille qui tombe de l'arbre répond à une programmation. Pourquoi pas? Vous croyez que, je vous révèle une chose que seuls les illuminés, nous appelons ça le Fath Akbar. L'illumination a deux phases. Il y a l'illumination satanique et l'illumination spirituelle. Les grands prophètes, vous les appelez des illuminés, mais ils sont plus que ça. Ce sont des gens qui ont été le dépositaire de la science unitive, de la science vraie, non pas de la science approximative, parce qu'ils ont été envoyés par Dieu, qu'il s'agisse de Moïse, de Jésus, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces personnes bénéficiaient par initiation, n'est-ce pas, d'une science que Dieu leur a révélée. C'est encore pour laquelle il ne faut jamais, n'est-ce pas, essayer de catégoriser un prophète, la parole d'un prophète, la parole d'un, même d'un saint, n'est-ce pas, dans le cénacle de pourquoi et de comment, sans se renouveler. Je vous dis, sans être bavard, bien sûr, l'autre jour, on a parlé un peu du chien. Oui. Du chien. Le chien. Ouais. Vous savez, on écoute, mais on ne sait pas s'écouter. On écoute, mais on ne sait pas s'écouter. Oui. Tous ceux qui entendent peuvent écouter. Mais il n'est pas dit que tous ceux qui ont entendu ont écouté. Il n'est pas également dit que tous ceux qui ont écouté ont compris. Il n'est pas également dit que tous ceux qui ont compris. Parce que la connaissance, c'est la connaissance. C'est un poste pratique. Chaque fois on apprend, même en enseignant un élève, on apprend. C'est la vérité pure. C'est ça. Alors, regardez. Il y a un nom qu'on retrouve dans la Torah, dans la Bible, dans l'islam. C'est le nom Hua. Le nom Hua. Hua. Dans la langue arabe, même pré-islamique, pourrait-on dire, le nom Hua a toujours existé. C'est un mot composé de deux phonèmes, le Ha et le Waou. Et tu verras que la lettre Ha, ça sort, c'est un souffle extraordinaire, étrange, mystérieux, qui sort du dedans de soi. Ha. Vous avez compris le problème? Et le Waou, c'est un faux souffle. Parce que le Waou, c'est l'index, en fait, de la conjonction d'alpha et de l'oméga, puisque Waou. Vous voyez, la première lettre commence et ça termine comme ça. Nous avons donc aussi bien dans la Kabbale juive que dans l'islam, trois lettres, n'est-ce pas, qui sont extraordinaires et qui sont le dictionnaire de la sapienza vraie, surtout la numérologie. C'est la lettre Waou, ça se prononce de la même façon, et ça se Waou, Nun, Mim. L'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres, l'alphabet islamique est composé de 28 lettres. Donc, si l'on croit à ça, on se dit Houa, c'est lui. C'est l'ipsité divine en tant que tel. Nul ne connaît Dieu si c'est de lui. Et dans la fonction pythagoricienne, Roua apparaît comme Allah. Parce que lui est Dieu. Les chrétiens, il dit Daos, Hellénistique parlant, il dit Dieu, nous disons Allah. Mais en fait, le même Dieu, c'est Dieu. Que l'on appelle Dieu Allah, ou que les Grecs disent Daos, ou que les Romains disent Deïs, Daos, Deïs, c'est plus grave, Daos. Ou que même les Sohara disent Yalkoï, ou que les Wolof disent Yallah, mais c'est la même chose. C'est le même Dieu. C'est un Dieu unique. C'est ça. Omniprésent, omniscient, transcendant, permanent, perdurable, qui tient entre ses mains éternelles le destin de l'univers. Voilà ce que c'est que Dieu. C'est la cause pour laquelle nous, dans l'islam, nous disons que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, c'est pas l'islam seulement qui le dit, parce que l'islam en fait, englobe toutes les formes de monothéisme de quelque ordre que ce soit. Parce qu'il est digne de l'islam, la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Mais Jésus, Moïse, tous ces prophètes sont musulmans. Mais ne les prenez pas linguistiquement pour dire, écoutez, musulmans, ah, il s'agit des Arabes. Non, c'est dans le concept.
C'est dans la manière de visualiser, de vivre la vérité. C'est dans la manière d'actualiser cette vérité en soi, autour de soi, en tout et pour tout. Lorsque vous avez vu un chien loup, lorsqu'il annonce la mort, vous savez ce qu'il dit? Un chien qui annonce la mort. Oui. Regardez les films, il dit hou, hou. Chez nous, on dit la ilaha illa hou. Hou, c'est lui. Or, le chien loup, vous avez remarqué, lorsque il annonce la mort, il lève la tête au ciel. C'est ça le ciel. Il dit hou pour dire que l'esprit retourne au berceau, pas au bercail. Le bercail, c'est essentiel, mais le berceau, c'est la nidation, le nid des esprits, al-marwa. Et le loup dit, ouh, même le chien, il dit, ouh, et figurez-vous que le nom Houa s'écrit, si vous le permettez, oui, allez-y. Comme ça, je dis, voilà, comme ça, si les gens peuvent voir, ça s'écrit comme ça, oui. Houa. Mais, par inversion, c'est waou et ha, c'est wa. Un grand soufi dit, c'est wa. Un grand soufi dit, il suffit de dire, de mettre les voyelles comme ça, et de mettre le soukoun, vous avez haou. Est-ce que vous savez que le chef cite, adore, prononce de manière tyrannique le nom de Dieu? C'est encore pour lequel un chien, qui que vous soyez, si vous surprend, il dit haou, vous fuyez. Pas qu'il vient et vous dit, je suis. C'est Dieu qui parle à travers lui. Je suis l'éternel. Je suis celui qui suis, ego sum qui suis. Comme on dit dans l'Exode. Et le Coran dit, Inni an Allah, la ilaha illa ana fa'abunni. Moi, je suis Dieu. Point de divinité, comment je suis. Moi, je suis. Donc, chez Dieu, l'authenticité de Dieu procède de son essence éternelle où il n'y a aucune différenciation. On ne dit pas que Dieu a, ou qu'il est, ou qu'il peut être. Dieu est l'absolu. Et dans l'absolu, il n'y a ni contingence, ni relativité aucune. Le chien dit, Haou. Il parle Hou. Au lieu de dire Hou, il dit Haou. Haou. Alors, quand le chien vous surprend comme ça? Non. Quand le chien vous agresse, il dit Haou. Mais quand il va vous agresser, quand il vous agresse, par exemple, conditionnellement, le chien d'abord c'est un animal, oui, intelligent. Oui. C'est faux de dire que les êtres inanimés sont là, ne sont rien. Ce n'est pas vrai. Lavoisier disait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Oui. Mais lorsque le chien dit, wah, 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 vous sentez que il vous dit, attention, prenez garde à vous. T'as pas compris? Wah, 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 wah. Effectivement, il fait l'éthique. Ça correspond à ce que c'est que dit le Coran. Il n'y a pas de hasard. L'océan fait le zikr, je vous assure. L'océan fait le zikr. Et si tu comprends le zikr, en fait, des éléments existentiels, en corrélation avec les esprits, parce qu'il y a une relation terrible, je vous assure. Est-ce que vous savez que, à l'heure où je vous parle, le nombre de morts dans l'existence correspond au nombre de naissances exactement? Ah oui? Eh oui, monsieur. Jusqu'à l'heure où je vous parle à cette heure-là. Le nombre de morts correspond exactement au nombre de naissances dans le monde. Si Dieu devait être un géomètre, il l'est plus qu'il est mathématicien. Puisque la géométrie du spatio temporel, elle est là. Ceux qui ne comprennent pas, vous avez fait une très bonne mission, je vous remercie, j'ai entendu parler de lui. Vous faites des objectivations, vous faites des. Parfois il y a des supputations terribles, vous faites des investigations parfois sur le dehors, parfois au niveau du dedans superficiellement et parfois dans le dedans. Mais lorsque le dedans, comme disait Lao Tse, avec le yin et le yang, ainsi de suite, tu vois, le dedans, c'est quelque chose d'imperceptible. Quelqu'un qui vient au bord de l'océan, qui dit, ah, voici l'océan. C'est ça, j'ai entendu parler de l'océan. Et qui voit l'océan bouger, se manifester. Il dit, je connais l'océan. Mais non, il a une connaissance superficielle de l'océan. Il lui suffit d'entrer dans l'océan. Mais s'il entre dans l'océan, il sent que l'océan, c'est un liquide. Mais s'il ne goûte pas à l'océan, il ne comprend pas. Même il a beau goûter à l'océan, tant qu'il ne visite pas les profondeurs océaniques, comme Cousteau, il ne comprendra pas. Et Dieu a dit, à chaque être, je lui ai donné son quota de connaissances. L'émission que vous faites est une émission stratégique, une émission
je ne dis pas apocryptique, mais c'est une émission volcanique. Très volcanique, parce qu'en fait, chacun va venir ici montrer que lui, il sait, étant donné qu'il ne sait rien du tout. Chacun va venir dire, voilà, vouloir imposer une personne. La personnalité, ça ne s'impose pas. Il faut que dans le cœur, qui est le creuset de la connaissance, qu'il y ait ce que nous appelons trois éléments essentiels. Lesquels ? L'amour, la sincérité et l'humilité. Quelqu'un qui n'a pas ça n'est rien du tout. L'amour, celui qui aime et qui justifie son amour, est un raté. Celui qui est sincère et qui se montre est un trompeur. Celui qui est humble, c'est celui-là le sage qui a découvert que la sagesse, c'est un chemin continu, sans fin. Pas que tous nous allons vers le royaume et nous n'accédons au royaume que par soi. Lorsqu'on a compris, comme disait Socrate, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Là, on découvre la vérité. C'est encore pour laquelle si le chien dit « ho, ho, ho », dites-lui « wouh » et il s'arrête. Essayez. Ah oui? Ah oui, essayez. Que le chien vous aide « wouh, ho, ho », dites l'inverse. C'est la dialectique. Dites-le « wouh », le chien s'arrête. Comme Daniel, le prophète Daniel avait dit un jour, un lion qui lui couvre le chemin. Le lion, il fait « parce que le lion fait « wouh ». On est ah, ou, ou, ou. Après il dit, le dernier phonème, tu entends le lion dire, vous ne me contredirez pas en regardant les films. C'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais... C'est vrai. Le lion, lorsqu'il fait le zik, il tend comme ça la tête. Face à l'est, face devant lui. Et il dit, oh, 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 oh. Ensuite, vous voyez, il pèse sa tête et il dit c'est pas vrai. C'est la conjonction de deux phonèmes, l'alif et la ha. C'est ahou. Ahou, c'est le nom suprême par lequel Adam parlait à Dieu. Adam n'appelait pas Dieu Allah. Il n'appelait pas Deus. Il disait ah. Plus tard, dans le tabernacle hébraïque, ils ont dit ahia, shrahia, adunaya, asbaout, al-shabai. Vous avez compris ce que le problème? Nous retrouvons le même sens dans l'islam lorsque nous disons Daimoum ya Daimoum ya Baqi. Mais c'est au niveau justement pour comprendre les nombres. Chaque nombre a un secret. Et chaque secret a son secret. Et chaque secret du secret est un secret qui n'est accessible qu'à ceux qui ont compris qu'il faut éviter de se comparer au Seigneur. Et dire que je sais. Si aujourd'hui je suis devant vous ici, si jamais lui il commet l'erreur ou toi, vous dites. Ah, je sais, je suis un spécial. Vous m'appelez après initié. Je ne le suis pas. Qui est initié? Vous m'appelez appelé maître, cher. Qui l'est? Nous sommes tous des esclaves de Dieu, chrétiens, musulmans, autrui. Nous sommes à la recherche de Dieu. Et c'est dans cette recherche-là que nous devons comprendre que de la discussion, j'ai eu la lumière. Mais moi, je ne dis pas que de la discussion, j'ai eu la lumière. De la concertation, j'ai eu la lumière. De la concertation. Ok. Tchèque, Amadoutal, très intéressant. C'est sûr, vous avez d'autres développements, d'autres exemples à nous donner par rapport aux animaux qui ont leur aussi langage. Je vais laisser Gogh sourire. Oui, l'érudit. il est bien costumé. J'espère qu'il va se costumer d'humilité et de. Je vous écoute. Non, mais je vais simplement poser la question, comme Théodule avait si bien commencé, de savoir si dans d'autres domaines en dehors du chien, vous pouvez donner d'autres exemples pour permettre aux téléspirituels de comprendre encore mieux ce que vous êtes en train de dire. Le serpent, le boa, oui. Fait les zik de haï. Il y a un film à la télévision, on a montré un boa en train de. Anaconda. 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 Vous entendez le boa dire. Mais c'est Hayou, le vivant. Vous n'avez pas vu? Il y a eu un jour un garçon qui a été. Mais on a vu au moment, à l'instant même, on a reconduit le film, on a vu que le bois a fait. Le chat dit, mais la formation, tu vois, de la bouche, nous donne l'impression qu'il dit miaou. C'est pas miaou, c'est mayhoun. Pourquoi? Parce que l'univers tout entier, je vous assure. Et langage. Et tout langage s'édifie par le nombre. Et tout nombre se caractérise par la science. Vrai, cette science vraie, elle est équilibrée et se calibre par le silence.
dans le silence, il y a beaucoup de vacarme. Et dans le vacarme, il y a beaucoup de science. S-C-I-E-N-C-E-S. Vous n'avez pas saisi? C'est ça la vérité. Vous parlez des animaux. Les animaux sont avec nous. Les arbres. Vous croyez que un arbre que vous voyez comme ça, il pleut, vous n'avez pas la main que lorsqu'il pleut? Les arbres. C'est pas mal. C'est pas mal. Les Japonais en Chine ou les Chinois viennent découvrir effectivement que l'arbre a un langage. Même l'océan a un langage. Les miracles, un jour, Jésus a dit à un de ses compagnons, il dit, est-ce que tu as la foi? Il dit, j'ai la foi. Il dit, viens avec moi. Marchons sur les eaux. C'était Jean, je pense. Alors, il a marché avec Jésus quelques instants, il a voulu se noyer. Jésus lui a dit, tu as douté. C'est le doute. Le doute, c'est le contexte de la ratio. La ratio, c'est le raisonnement. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Etc. Non. Quelqu'un qui aime Dieu, qui s'aime en Dieu et qui respecte toute la création, même la feuille d'arbre, je vous assure, la feuille d'arbre que vous coupez sans raison, vous êtes en train de créer un bouleversement terrible dans l'univers. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que beaucoup d'accidents d'avion qui se passent, beaucoup d'accidents ferroviaires, beaucoup de noyades qui se passent, c'est dû au serpent, aux inintentionnés. L'inattention est un meurtre terrible pour celui qui ne connaît pas. Et l'inattention. L'inattention parce que... C'est un meurtre terrible. Tu coupes une feuille d'arbre au nom de quoi? Tu tues un animal sans raison. Pourquoi? Je peux te raconter une histoire. Un jour, quelqu'un a regardé un chien à Dakar. Le chien était devenu vieux. Le chien était à la porte. Le chien, alors, un voleur est entré, il a volé dans la maison. Le propriétaire lui a dit, mais toi, pourquoi tu es là? Tu as laissé un voleur entrer chez moi et voler. Tu ne vaux rien du tout. Tu es malhonnête. Il a insulté. Oh, on n'insulte pas les animaux. On ne les insulte pas. On n'insulte pas les animaux. Non, on ne crie pas non plus sur les même animaux. Même l'arbre, on n'insulte pas l'arbre. On ne tape pas non plus les animaux. Taper, quelqu'un est tapé. Quelqu'un est tapé. Porter des coups de bâton. Oui, celui qui porte des coups de bâton se porte des coups de bâton lui-même. Zénon de Citium disait, le méchant, il est méchant involontairement, puisque la méchanceté c'était une faiblesse. Vous avez compris ce que j'ai dit? Mais ce chien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la porte de la maison, il est resté. On lui a donné à manger, il a refusé. Il s'est suicidé. Le chien? Oui. Prenez un cheval. Un cheval. Sa mère. Un cheval ne jamais n'entre en relation sexuelle avec sa mère. Un jour, ils ont pris un cheval, ils ont attaché ses yeux, ils l'ont mis en relation sexuelle avec sa mère. Après, on a enlevé le bandeau, mais après, le cheval s'est suicidé. Seuls les singes, les gros singes, qui font des écrits de hou, 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 vous voyez, les éléphants, hou, 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 c'est comme ça qu'ils font. Alors seuls ces animaux, les chimpanzés, les gens disent que c'est un homme maudit, c'est pas un homme maudit. C'est Dieu a effectivement maudit une frange de juifs à l'époque de Moïse et les a transformés, mais pas en singes. Mais le singe existait, de belles règles. La théorie darwinienne qui dit que l'homme est un singe qui s'est développé, c'est faux. Darwin a été passé depuis très longtemps, ce n'est pas vrai. L'homme est au centre de la création. L'homme est au centre de la création. L'homme est le ciel, il est la terre, il est entre le ciel et la terre. Il est celui à qui Dieu a donné ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Il est l'interlocuteur de Dieu. Il est celui seul qui est capable de tenter un éléphant. Tu crois que si un éléphant avait l'intelligence que toi, tu es un éléphant, ça pèse combien de kilos? Tu montes dessus, tu dis, ah, il marche. Tu le fais danser, il danse, un éléphant. Nous, tu étais Dieu qui a dit, j'ai donné pour l'être humain tous les cieux et la terre. Et si on entre des pas en avion, des tonnes, des tonnes, l'avion vole dans les cieux comme ça, des tonnes et des tonnes. C'est un hasard, ça. C'est le pouvoir, pour penser que c'est le pouvoir humain. Nous, musulmans, lorsque nous lisons le Coran, Dieu dit, le Coran efface toutes les turpitudes et donne l'éveil, la connaissance. Mais les gens qui récitent, oh là là, Allah, tu connais le nom Allah? Tu connais le nom Allah? Tu connais le nom Allah? Oui. Mais tu ne connais pas Allah? Il ne faut pas vraiment péter. Tu connais Allah, toi? Est-ce que tu connais Allah? Réponds-moi. Je préfère garder le silence. Non, parce que le silence que vous gardez est une complicité entre toi et la vérité. Tu ne connais pas Allah. Tu as entendu parler et que tu connais Dieu. Est-ce qu'il y avait une différence? C'est... Est-ce qu'il y avait une différence? Ah, le fait que vous ayez posé cette question est une sagesse. Parce que vous avez compris qu'entre Allah et Dieu, c'est la même chose. C'est de la manière dont on perçoit Allah
Et sa réalité, c'est là où se pose le problème. Je vous dis. Je pense que j'ai toujours parlé. Parce qu'à la télévision, je suis habitué à parler à la télévision. Vous avez remarqué ça. Mais puisque vous êtes là pour qu'on vous écoute. Vous êtes mais, là pour mais ça. Pourquoi m'écoute? J'ai peur parce que je dis que ceux qui m'écoutent, ils ont peut-être entendu. Mais je demande à ceux qui m'écoutent de me comprendre et de comprendre l'essentiel dans ce que je dis. C'est ça. Je ne suis pas un maître, je ne suis pas un savant. Je ne suis même pas savantissime. Je suis une humble créature de Dieu qui vient ici sur ce plateau apporter un peu de mon expérience tellement, tellement faible. Car entre la vie et la mort, c'est comme entre le clignotement de l'œil, c'est du matin au soir. Chaque être humain est écartelé entre le matin et le soir. Ce n'est pas vrai? Oui, monsieur Tal, en fait, vous êtes notre invité et nous vous recevons pour que les Béninois et les Béninoises donc, vous écoutent et apprennent encore plus parce que, en fait, l'émission existe quand même depuis des années et nous avons reçu beaucoup de personnes qui apportent de leur connaissance, de leur sagesse à divers niveaux. Nous ne sommes pas habilités à juger leur niveau de connaissance, nous n'en avons pas les compétences, mais nous permettons à chacun de s'ouvrir et de donner ce qu'il peut à la population. Je peux dire quelque chose? Oui, allez-y. Je lui ai dit hier, même le chrétien, le non-musulman, qui apprend à réciter le nom Allah, il parvient à lutter contre le stress. Il parvient à décanter en lui une énergie terrible. Est-ce que vous savez que Dieu a créé l'être humain? Il a mis en lui un dispositif extraordinaire. Est-ce que vous savez que ceux qui guérissent des maladies, Dieu a mis, les docteurs ont trouvé ça, 70% au niveau des hormones, je ne sais pas, etc. Si l'individu fait des efforts et par le zikr, il peut se guérir. Quand que dit Allah, je vais vous réciter Allah trois fois. Vous allez voir, vous qui êtes un grand initié, n'est-ce pas? Comme Pythagore ou bien Socrate. Alors, c'est tout de suite pour moi. Oui, bon, mais je le dis tout le temps, je le dis amicalement, c'est oui, pas oui, bon, je... non, on sert, en fait, c'est, ah, c'est alors, amical. Quelqu'un qui dit Allah, 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 c'est un zikr guttural. C'est pas profond. Mais quelqu'un qui dit Allah, 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 Allah. Vous savez, même votre petite, comment pourrait-on dire, participe. Allah, 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 Allah. Ça veut dire Dieu et Dieu. Mais on le fait, Allah, c'est la déconcentration. Allah, c'est l'intérieur. Et le cœur fonctionne comme ça. Le cœur fonctionne comme ça. Et bizarrement, le nom Allah, par définition, dans la guématrie, c'est 66. Alif, c'est 1, la lame, c'est 30, doublé, 60, plus le ha, le dernier phonème, ça fait 66. Et Dieu dit, je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Vous voulez me connaître, mais regardez-vous. Vous voulez me découvrir, mais absentez-vous. Vous voulez comprendre, écoutez. Vous voulez vivre, mourrez avant de mourir. Il faut qu'il y ait en vous l'esprit bestial, n'est pas des vices, des prétentions, je suis ceci, je suis cela. Et le que vous aurez tué en vous, l'orgueil qui a perdu Satan, le que vous aurez tué en vous, ces prétentions fallacieuses, ridicules, vous êtes prêt, à peu près, auprès d'arriver au royaume de Dieu. Regardez, 66, c'est le nom Allah, le cœur bas. Puis la lettre avait 110, on dit que le cœur bas, au rythme de Koum. Pression. Les gens disent 70 fois à la minute, pour certains sportifs, c'est plus que ça. Mais lorsque vous regardez les articulations de l'être humain, demandez à ceux qui font les sciences naturelles, vous verrez que ici, de là, au pied, il y a 33 articulations. Les professeurs de sciences naturelles ne me démentiront pas. S'ils peuvent le faire, ils n'ont qu'à le faire tout de suite. Et à gauche, vous avez 33 articulations. Et vous savez, 33 fois 2, ça fait combien? 66. 66, c'est pas Allah. 6 fois 6, ça fait combien? Ça fait 36. 6 et 3, ça fait combien? 9. La gestation, c'est pas dans combien de mois? C'est comment? Répondez. La gestation, la grossesse de la femme, c'est pas dans combien de mois? C'est 9 mois. Il y a combien de trous dans le garçon? 9. Alors, chez la femme, il y en a combien? 12. 9 multiplié par 12 égale 108. 108, c'est haqqo. La vérité, les brahmanes hindous, qui ne sont même pas chrétiens ou musulmans,
font le zikr avec un chapelet de 108 grains. Et 108 chez nous, c'est haq, la vérité. T'as pas compris? Haq, c'est ce qui est évidentiel, c'est tout. Maintenant, posez-moi des questions oui. sur alors, tous les domaines que vous voulez. Alors, je n'ai pas dit que je répondrai à tout. Je ne sais rien. Je vais essayer de répondre si je ne peux pas. Eh bien, vous répondez. Revenons au langage des animaux et c'est ça, puisque c'est à partir de ça que les téléspectateurs verront. Puisque les animaux, par exemple, vous étiez en train de donner des exemples. Le chat, par exemple. Voilà le chat dit maïhoum. Le chat dit maïhoum. Mais c'est le langage que je suis en train de dire. Oui. Les rationalistes, ceux qui disent que 2 plus 2 égale 4. Oui. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'on va au ciel en empruntant, comme l'on dit, des ascenseurs. C'est vrai. Je vous assure. Si, si. Il y a des rationalistes. C'est paradis, il y en a. Oui, il y a une... C'est presque quoi? C'est paradis, il y en a. Où est l'esprit? C'est paradis, où est l'esprit? Actuellement, vous êtes en train de penser. Où se trouvent vos pensées? Répondez-moi. Où se trouvent vos pensées? Là où ça doit être. Les gens qui lisent dans la pensée, dans les pensées, ils lisent avec des lunettes ou bien avec un télescope? Ils lisent avec quoi? Avec l'œil du cœur. Est-ce que vous croyez que l'œil du cœur, c'est cet œil-là? Vous dites si le paradis existe, si le paradis n'existe pas, à quoi bon exister? Alors Hitler, c'est tenté de rire au sein de Satan. Mussolini aussi. Les grands homosexuels, etc., etc. Si faire le mal aboutit au non-paradis et l'enfer n'existe pas, ce genre de théorie, c'est une théorie tellement puérile, tellement fantaisiste, tellement enfantine, que j'ai envie de dire à ceux-là qui ne croient pas au paradis, ils viennent de quelle planète? C'est comme si le chaud et le froid n'existent pas. C'est quoi ça? Pourquoi le jour, pourquoi la nuit? Comment? Il y a un soleil, il y a le feu qui est là, il y a la glace. Dieu, le suprême, dit que le paradis existe maintenant. La manière dont tu comprends le paradis, c'est là le problème. Mais le témoin de Jéhovah, la compréhension du paradis par le témoin de Jéhovah, mais c'est totalement erroné. Donc c'est comme ça, je peux tuer 10 personnes tout de suite. C'est fini. C'est comme l'abolition de la peine de mort. Chacun est libre de tuer qui il veut, il est libre et libéré. Mais ce que vous faites, c'est du zikr. Rappelez-vous Dieu, sans c'est en vous. Et lorsque vous dites que le paradis n'existe pas, il faut le justifier pour que le paradis n'existe pas. Justifiez-le. Vous le faites, je vous donne tout de suite un chèque de 1 million. Justifiez-le et je deviens votre serviteur. Dites-moi que le paradis n'existe pas. Je voudrais qu'il existe. Vous me dites, ah, pourquoi il existe? Je dis, fermez les yeux. Concentrez-vous. Vous verrez en vous un vide que vous appelez vide. Il n'y a pas de vide. C'est pas vrai? Il n'y a pas de vide. Même dans le paradis, il n'y a pas de vide. Il y a l'atmosphère, il y a l'ionosphère, il y a la stratosphère, il y a tout. Mais il y a un autre plein et un autre vide qui est plus essentialiste que ce que nous vivons. Vous savez pertinemment que si quelqu'un est malade, que vous soyez chrétien ou non, lisez la Fatiha avec foi. Comme fait le karatéka lorsqu'il frappe la pierre. Vous croyez qu'un karatéka, troisième dan, vous lui posez des briques, il frappe d'un coup, la brique se casse. Est-ce qu'en toute sincérité, est-ce qu'il le fait tout simplement en disant, tac comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se concentre et puis... Lorsqu'il se concentre au niveau du cortex cérébral, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, tous les sens gravitent au niveau de l'annulation spirituelle. Et l'énergie que l'être humain dégage lorsqu'il frappe la brique, c'est cette énergie que nous appelons la force divine. Elle existe dans chaque être. Lorsque le lion abat un buffle et le met sur son dos, c'est la force divine. Ne dis jamais que le paradis n'existe pas. Croyez-y, bon Dieu, parce que comme disait Pascal, parions que Dieu existe. Parce que non, mais si que... je le dis, non, non en fait, pas, c'est pas non, que le paradis n'existe pas du tout, ça dépend de la compréhension de tout ce chacun. Et vous l'avez dit aussi dans le développement. Oui, monsieur, alors, dans le... Laissez-le oui, parler, là. Nous avons tenté de revenir quand même au sujet principal. Peut-être avec notre invité, si nous avons la possibilité de l'avoir encore pour une autre émission. Oh non, non, ce non. Ce serait possible. Je rentre au Sénégal. Je vous remercie. Et j'avoue que cette émission, j'ai fait des émissions à Paris, partout, en Côte d'Ivoire, en télévision, en Iran. Mais je suis fier des Béninois. Je vous assure. Le Béninois n'eût été. Le Béninois encastré dans je ne sais pas moi, dans une forme d'existence ancestrale.
je ne voudrais pas citer ceci ou cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le Béninois est un homme bien, tellement hospitalier, tellement vivant. Vous vivez, vous existez. Car entre vivre et exister, il y a des nuances. Vous, vous vivez et vous existez parce que vous donnez un sens à votre existence. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce que vous avez dit, la question que vous venez de poser, ça dépend du sens, oui? Le paradis, Dieu a défini. Comment est le paradis? Aussi bien dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, avec le chant depuis l'Exode, n'est-ce pas? Et avec le Nouveau Testament, Jésus a bien parlé du paradis. Le prophète de surcroît, le paradis existe. Maintenant, certes, vous avez dit au paradis, un Béninois, il va dire, ah, mon Dieu, accorde-moi le paradis, mais fais tout pour que tu trouves un peu de tchèque et puis de poissons bien frits. Un jour, en arabe, il voulait voir le prophète, il dit au prophète, est-ce que le paradis existe, le prophète, lui? Il dit, est-ce que là-bas, j'aurai des chameaux pour paître les chameaux? Le prophète lui dit, il y a tout au paradis. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah, alors, on dit, les soufis disent, à l'école à laquelle j'appartiens, ceux qui adorent Dieu pour aller au paradis, son rythme est une créature, le paradis l'est également. Adorons Dieu pour lui. D'accord. Si quelqu'un t'aime pour toi, il a gagné. Alors, Maître Tchèque, revenons-en. Donc, nous étions en train de parler du chat, du miaulement du chat. Ah, il aime beaucoup les animaux. Alors, tout est langage. Oui, des animaux, les animaux. C'est parce pas que seulement les animaux, c'est tout, seulement, tout est langage. Tout est langage. J'aimerais, pour les téléspectateurs, aussi que vous preniez des exemples à partir des objets même. À partir, vous l'avez dit, nous-mêmes, notre morphologie même est langage. Oui, avant d'arriver à cela, oui. Il y a quand même un animal, un oiseau, qui a eu quand même le mérite d'être présent la plupart du temps dans certaines écritures sacrées, c'est soit le pigeon ou la colombe. Et le corbeau aussi. Voilà. Avec Caïn, c'est le corbeau. Exactement. Écoutez le corbeau crier « Houa, houa, houa », il fait « Houa, houa ». Le corbeau, les hiboux, il liquide tous les phonèmes, il fait hou. Vous n'avez pas remarqué ça? Le corbeau fait hou, c'est la corbeau laquelle le corbeau fait peur. Nous les Africains, lorsque nous voyons un corbeau crier, ce beau gars qui est là, lorsqu'il se réveille le matin, il voit, on va dire hou, il lui dit porte-malheur, quitte ici. Parce que même selon la Genèse, c'est le corbeau qui a montré à Caïn comment on doit entrer à Abel. Même moi qui vous parle, donc, chez moi, j'entends le corbeau crier, je dis, oh là là, oh, les voisins, ils ont encore commencé. C'est terrible. Mais ce n'est pas seulement les animaux, c'est tout. C'est ça. Même l'océan. Même, tu n'entends pas parfois le vent faire un bruit. Et tu entends la porte dire, kakarak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 
et je vais te le prouver. Je dois prier, je ne prie pas. Les autres créatures de l'univers, s'ils ne prient pas, ils meurent. Les gens parlent ici de stress. Ils vont voir le sorcier. Oui, on m'a fait ceci et cela. Chaque être humain est responsable de ce qui lui arrive. Il suffit d'avoir foi en Dieu, d'être au centre pour ne pas être dans la périphérie, pour être un autre. Vrai. Toi, tu parles toujours des animaux. Il est tellement préoccupé, obsédé par ça, que tu finis par être un membre du groupe protecteur des animaux. Ah. Ben oui, maître Tchèque Amadou Tal, merci pour toutes tes explications. Je pense que on a certainement quelque chose à ajouter. Oui, je pense que nous allons laisser les télé spirituels intervenir pour poser aussi des questions. Vous avez dit télé spirituel. Les télé spirituels, c'est-à-dire ceux qui suivent une émission spirituelle. Mais ils ne sont pas des télé spirituels, bon Dieu. Voilà. Ce sont pas de bons amis. Des gens, des spectateurs qui suivent. Mais téléspirituel, c'est un mot très lourd, oh là là. Non, c'est pas si lourd, c'est comme un téléspectateur. Quelqu'un qui suit les... plusieurs émissions, donc les émissions ont leurs caractéristiques, donc on les appelle des téléspirituels. Dites-leur que tu as la disposition, qu'ils posent des questions. Alors vous allez m'aider si je ne trouve pas les réponses, ou bien lui. Et tout ça dans la panoplie de la foi. Merci à vous, Tchèque Amadou Tal. Chers téléspectateurs, donc, l'antenne est à vous pour des questions à notre invité qui est prêt, disposé à vous répondre. Si tout va bien, nous allons recevoir le premier auditeur téléspectateur en ligne. Bonsoir. Oui. Monsieur oui. Théodile Roussa, bonsoir. Bonsoir. Herman Metton de Vélocor. Monsieur Herman Metton, bonsoir, merci. Oui. Nous vous écoutons. Bonsoir. Allô, monsieur Emmanuel Metton, vous ne reçoit pas du tout? Oui, je disais, je saluais tantôt monsieur Godson. Ah oui, je vous salue aussi. Et je salue aussi votre invité. Je crois savoir que c'est un Sénégalais. Oui. Bon, j'ai seulement deux questions parce que, vous savez, lorsque je ne maîtrise pas grand chose dans l'émission, je l'ai dit, il est vrai que je n'ai pas compris grand chose au cours de cette émission. Mais je voudrais savoir. Quels sont les animaux sources de bonheur qu'il faudra avoir sur soi? Bon, quand je dis sur soi, pas partout, mais peut-être à la maison ou bien peut-être à la campagne. Et l'autre préoccupation que j'ai, c'est pour demander à votre invité de prier pour toute la nation béninoise, particulièrement le chef de l'État qui a rendu aux prisonniers. C'est un acte salutaire. Je vous remercie. Passez une excellente soirée. Merci à vous, monsieur Emmanuel Metton. Merci. Nous passons à un autre. Non, bonsoir. Ça va répondre directement. Nous allons enregistrer toutes les questions et vous laisser répondre après. Le second téléspectateur en ligne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. On m'appelle madame Adibadi. Madame Adibadi, oui. Nous vous écoutons. Je vais vous demander au chef. Oui. Chez moi à la maison, il y a deux souterraines qui viennent chaque jour. Chaque jour, il n'y a pas de moment. À un moment donné, je pensais que c'était des souterraines celles qui venaient manger chez moi, mais j'ai commencé par avoir une discussion. Et je les vois partout dans la maison, que ce soit dans l'arrière-cour, au milieu de la maison. Je ne sais pas si c'est source de bonheur ou de malheur. D'accord. Merci, madame Adibadi. Merci. À tout à l'heure. Un autre en ligne, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur Bertin Corvi. Monsieur Corvi Bertin. Oui. Je salue tout le plateau. Bonsoir. Et je souhaite la bienvenue au chef au Bénin. Nous vous entendons très faiblement. Oui, je souhaite la bienvenue au chef au Bénin. Merci, il vous répond. Oui, je voudrais juste m'présenter sur quelque chose. Parlez un peu plus fort, M. Corvi, on vous reçoit faiblement. Très faiblement. Bon, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Oui, oui je voudrais m'présenter sur quelque chose. C'est-à-dire sur un sujet que je ne connais pas. Oui. Maintenant, je vais parler par intuition. J'ai cru comprendre que quand le prophète de l'islam est entré à la Mecque, Dieu a demandé à ce que même pas de moustique soit tué. Aucun animal n'a été tué, ni les hommes à qui on reprochait des choses. Et je suis heureux que le chef connaisse le langage des animaux et en parle. Maintenant, je me surprends d'une chose, ou plutôt je m'étonne de quelque chose. Pourquoi, quand est-ce qu'on récite tout le Coran et ce qui devrait faire descendre la grâce de Allah, le Dieu de toute plénitude, pourquoi au Bénin on tue encore un animal? Est-ce